Bonjour. Content de reprendre la caméra, là. Oui, ça faisait un bout. Parce que, comme je l'ai dit, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. À part en fin de semaine, qu'il y a eu quelques petites affaires. Premièrement, dans la dernière vidéo que j'avais sortie, j'avais raconté que j'étais allé voir la chambre de Will pour pouvoir y rester jusqu'à la fin décembre, à partir de mi-décembre jusqu'à la fin. Fait que environ fin mars. Puis peu de retour de la semaine au grand complet. Puis fait qu'en fin de semaine, j'y ai texté. Puis il m'a dit oui, on regarde vraiment la meilleure personne pour la chambre. Il veut pas trop se précipiter. Fait que vraiment un peu n'importe quoi. Désolé. Okay. Il me dit qu'il a texté un groupe ou une personne, je pense, ou un couple de personnes pour la chambre et tout. C'est qu'en gros, mais elle comme bypassé un peu. Fait qu'il attendait une réponse, puis il n'y avait pas de retour. Non, non, non. Fait que moi, j'ai dit, si ils prennent pas la chambre, moi, je peux te refaire 100 $ de plus que du montant que tu me demandais. Fait que c'est ça, fait que je donne 800 par mois pour avoir la chambre. Fait qu'il me dit oui, mais tu sais, là, avant, je veux juste être sûr d'avoir toutes les. Tu sais, de faire toutes les interviews possibles juste pour avoir la bonne personne. En gros, d'après moi, s'il ne plaisait pas que je reste là 3 mois, puis que je parte fin mars. D'après moi, ça ne l'arrangeait pas pour la location après ça, trouver quelqu'un, puis tout. Ça allait être juste être plus compliqué pour lui. Fait qu'il m'a dit par la suite quelques heures après, je pense, 1 heure ou 2 après, il me dit oui, finalement ils m'ont répondu, puis ils vont prendre la chambre. Fait que là, je n'avais pas de chambre. Fait que là, tout de suite, dès que j'ai ça, pose sur des groupes, envoie un mail à ma boss, nanana, ça peut me trouver. Puis je texte au couple que là, je m'en vais rester à partir de demain. Demain va être le premier, je m'en vais habiter avec le couple. C'était supposé jusqu'à la mi-décembre. Puis finalement, puisque les autres m'avaient dit qu'au début ils pouvaient pas m'héberger, c'est ça le mot que je cherchais, héberger jusqu'à la fin. C'était impossible parce que je leur avais demandé, vu qu'ils m'avaient, on va dire, il avait pris quelqu'un d'autre à la place de moi, on va dire ça comme ça. Donc, fait que finalement ils m'ont dit oui, finalement tu peux rester avec nous autres jusqu'à la fin. Fait que justement j'étais allé voir la chambre dimanche. Fait que non, la chambre là-bas que j'ai chez le couple, qui est André et Normand, si vous regardez la vidéo, merci, vraiment. La chambre est correcte, j'ai mon lit, la laveuse est dans ma chambre, et ça, c'est pas grave. Au moins, j'ai ma douche, puis ma salle de bain est à moi, fait que... Non, en vrai, c'est pas pire, puis j'étais à 2 minutes à pied de la station, fait que... Non, en vrai, carré. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je filme? Pourquoi je raconte ça aujourd'hui? Pourquoi j'allume la caméra? Parce que on s'en va porter les. Vous vous souvenez de la dernière vidéo, les fameux papiers de police que j'allais porter? Ce papier-là, ok, de marbre, ok, je ne voulais peut-être pas à la caméra comme du monde, ok. Je m'en vais les porter aujourd'hui. Bon, on est à mi-chemin. Je sais pas si on le voit là, mais. Ouais. C'est que ben là-bas là. Mais il y a un monsieur avec un carrosse. Il y a pas de. D'après moi, personne avec pas d'abri ou rien. Puis non, ultra sympathique le monsieur. Il me jase comment je vais, nanana, nanana. Puis, il y a comme un genre de bandage que je pouvais pas passer. Fait que j'ai comme aidé à passer le banc de neige avec son carrosse et tout. Puis j'ai donné 10 $. Fait quelque chose au cœur quand tu donnes de l'argent à du monde. Fait que donnez de l'argent. Si vous êtes une bonne personne. Donnez 5 $, peut-être bien. À du monde qui n'ont pas. Dans la pauvreté, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien à l'esprit, par la personne, même si c'est 5 $ en moins. Ça fait du bien à la tête. Ouais, pour moi, c'est. T'as accompli quelque chose. Mais bref, là, je vous laisse, parce que là, j'ai rien à dire, c'est une petite parenthèse courte que je fais. Donc, on se retrouve à la station de police. Bonjour.
Non, je viens de sortir de la station de police. J'ai pas filmé avant parce que, en vrai, flemme. Puis ah oh, oui, Lucia, elle m'a dit oui, il faut que tu apportes les documents là-bas. Ça ne marche pas. Il faut que je complète les documents. Parce que si. S'ils veulent que je donne ça là, à mettons ici à Feuny, il faudrait que je change mon permis de conduire. Je comprends pas trop. En gros, c'est pour voir si j'ai un dossier criminel ou whatever. Fait que là, on retourne à l'hôtel. Bonjour. De retour à l'hôtel. Vous vous souvenez de la fois là, avec le code là? Ben c'est ça les mardes là. T'as un code à rentrer ça, il faut que tu baisses ça là. Non mais c'est une marde. On va faire ça. Bon. Il y a un truc que j'aime pas de l'hôtel, c'est les casiers en bas. Et je vais aller vous montrer ça. Il y a le panneau, il y a le fameux panneau. Parking. Ah, c'était ça le fameux panneau qu'on n'a pas le droit à. Les skis pis tout. Mais vraiment la flemme. Il y a un parking souterrain. En bas de l'hôtel, en vrai, c'est bien. Moi, il y a un truc qui me dérange. Pis c'est pour ça que je voulais pas mettre mes planches en bas, là. C'est mon casier. Je sais pas si on le voit à la caméra, là, mais. Et ça touche à terre puis c'est du ciment ça. Fait que ça c'est le pire des trucs pour scraper une planche ou une paire de ski ça. Mettre ça directement sur le ciment. Vraiment. Non les regarde, on en voit quelques-uns là-bas là, je vais zoomer là, mais les skis qui traînent à terre. Ça c'est horrible pour les edges parce que quand l'eau coule, quand la neige à fond, l'eau coule, puis ça vient puis ça use les. Pis ça rouille tout ce qui est. Tout ce qui est. Edge, la forme de mettre autour de la planche du ski. Mais elle est back. Bonjour, rebonjour. Pas aller à la station finalement, ça va être demain. Parce que je trouvais pas l'arrêt de bus. Fait que j'ai comme marché un peu dans le vide. Bref, on peut faire un petit tour de ma chambre en vrai. Donc, ici c'est la porte d'entrée. Welcome home. Ok. Ici garde-robe. Garde-robe avec un peu de stock. Les planchons là. Pour l'instant, je les ai mis là. Ici, salle de bain. Évier, toilette, douche. Ça, par contre. Ça, là. C'est de la merde, ça. Pourquoi c'est de la merde, t'allais me dire? Parce que. Le géant gros, c'est soit que ça tire 4G puissant. Puis c'est pas. Tu peux pas prendre la douche, ça fait mal, ça pince. Sinon, l'autre, c'est comme. Une genre de brume avec un peu de pression, fait que ça revole un peu, mais c'est pas un jet de douche normal. Là. Puis il y a la fenêtre ici. Non, c'est pas vrai, on fait pas ça. Bref. Par la suite, ici, petite armoire. Je sais pas si je l'avais faite. Petite armoire aussi avec mes affaires. Après ça, ici, table. Que je n'ai jamais utilisé. Ici la cuisine, bon commençons, la vaisselle là, qui est le bon ami, évier, four, avec plaque chauffante, micro-ondes, frigidaire, congélateur ici, il y a des verres là, aussi un petit stock là, grille-pain, petite assiette, tout là, tout ce qui est, on va dire poubelle, tout et tout là. Après ça, t'as... une télé, ouais,
Elle marche pas. C'est un écran, mais qui marche pas. Petit divin, ça. Divin, je les prends pas non plus. Ma valise, je commence à repacter un peu les affaires parce qu'on va changer de place. Mon foyer là. Mon lit. Avec mon pyjama. Puis c'est ici que je mange, puis je discute avec la caméra le plus souvent. Mais arrêtez la vidéo là. Puis on se voit le lendemain. Bon matin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je dois sortir de l'hôtel à 10 h. C'était ma dernière nuit ici. Puis là, c'est le bordel un peu partout. Bordel un peu partout parce que je suis en train de tout ranger. On s'en va voir André Normand. Puis on va voir la station. Si j'avais pas demandé à Normand, qui est le gars, de venir me chercher, il a fallu que je marche avec mes valises là-dedans. Je sais pas si on le voit là. Fait qu'il a fallu que je marche avec mes valises là-dedans pis tout. Une chance, je leur ai demandé. Fait que vraiment, là, moi, là, je pars et je n'ai pas de chance pour ça. Parce qu'à chaque fois que je fais un transfert ou je pars quelque part, il neige ou les journées d'avant, il faisait super beau, il neigeait pas, gros soleil. Là, faut que je parte pis faut qu'il neige. T'sais? Parfait. Fait que je finis de préparer mes affaires puis là, on va aller attendre Normand en bas. Ouais. Fait que c'est cela. Bon, je vous laisse, je vous envoie tantôt. Parce que là, faut que je finisse pis tout. Peace. On est le 2 décembre, j'ai pas filmé hier pas avant-hier parce que avant-hier, après avoir été parti de la chambre, j'ai pas eu le temps de filmer. Puis hier, ben, j'ai resté dans ma chambre. Puis j'ai pas filmé grand-chose. Fait que là, aujourd'hui, je m'en préparais ma planche pour demain. Vu que ça rouvre demain, j'ai hâte en temps. Puis on va aussi aller chercher ma passe de ski. Tout excité, tout content, là. Regardez. Côte du nuage, puis tout. On voit même pas le haut de la montagne. Ça c'est hot. Comment me traverser? Fait que je reprends quand j'arrive à côté de la bâtisse, là, c'est juste pour l'introduction de qu'est-ce qu'on fait. Puis il faut que je me dépêche, je vais aller voir Brésil, Suisse, je pense. Fait que je vais me dépêcher, c'est à midi. Fait qu'on se revoit tantôt. Bon, je suis arrivé à la station. Ça ressemble à ça. Donc là, m'a préparé mes planches. Puis tout. Fixer ça. Mais bref, non, j'ai hâte. Demain, je vais avoir aidé. J'ai vraiment hâte. Fait que là, j'ai récupéré ma passe. Ma belle passe. Staff. Pogner ça. Ah, c'est simplement magnifique, hein. Bon, il vient d'arriver. Prépare le stock tranquillement, pas vite. Ah, c'est un calvaire, man. On vient de me dire qu'il faut que je partage mon cordier avec quelqu'un. Un peu chier. Bon. Fait qu'on fait ma deuxième planche, on voit rien, c'est normal. Il fait noir comme pas possible ici. Ça se peut que ça coupe. C'est pas chaud, c'est pas chaud, c'est pas chaud.
fini, j'ai mon sac de mes planches là. Fait que là, on s'en va. On retourne à la chambre pour éviter le match Brésil. Brésil-Suisse, je pense. Si j'ai fini, c'était galère, j'ai froid aux doigts. Là, je me dépêche, je vais retourner plus vite à ma chambre pour réchauffer. J'ai frette aux doigts. Bref, on se revoit rendu là-bas. Salut!